Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Ça va très bien et toi Ça va très très bien, j'ai la dalle. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit peu de timeless. Euh, on Vous avez vu, on fait quand même du standard. Hein. Entre temps, voilà, on oui, n'oublie oui, pas oui, d'où on vient. Et, et là, là le ça. standard avec les reveals. Et on n'oublie avec... pas où on va. Exactement. Avec les, euh, la nouvelle extension qui arrive, on va vous en proposer une tétrachier Donc c'est pour ça on en profite de faire une timeless maintenant, parce que quand il y a une nouvelle extension, ça sert à rien de nous dire ah faites du timeless et tout maintenant. On y reviendra donc, plus tard. On y reviendra plus tard. Du coup du timeless avec ce Glooby Bulga. De bonnes cartes. Ouais. Euh, Declisse d'Aliel Drazi, légèrement modifié de notre part. Val a enlevé deux poussées fatales et a mis les deux Teferi main deck. C'était normalement en side. C'est ça, j'ai fait une petite alternative en fonction de ce que je rencontrais sur le ladder. Exactement. Euh, avant de vous en parler un peu plus, même si je pense que si vous connaissez les cartes, vous voyez ce que fait le deck. Hein. Juste, on joue que des bonnes cartes. Euh, mettez le pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir. Merci beaucoup au sponsor Play My Magic bazar code Valley 2024 sur la boutique. 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à Ultimate Guard, lien d'affilée dans la description. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer par cela pour faire tous vos achats Ultimate Guard. À chaque achat, ça nous soutient euh, directement et merci beaucoup. Merci énormément. Ce deck, du coup, euh, il rosse, il est bien, il grind, ouais euh, il ça. survit bien contre aggro, peut-être un peu mal contre contrôle. Ça. Euh, compte combo. Euh, contre combo, ouais. C'est marrant parce que euh, ceux qui suivent la chaîne secondaire, vous euh, m'avez vu essayer de builder justement des decks Urion tout. Moi, je les appelle comme ça. L'idée, c'est de mettre toutes les meilleures cartes du format dans un seul et même deck. Il est simple. Et c'est un truc qui euh, m'amuse euh, assez souvent. C'est pas facile à faire en termes de mana base et d'équilibrage. Mais en tout cas, moi, c'est un exercice auquel je me prête. J'avais donc du coup sorti une, 5, une version pardon, 5 Seragou. Sauf que j'avais décidé d'implémenter aussi Field of the Dead. Ce qui revenait globalement à cette version-là avec des Field of the Dead. Mais du coup, ça demandait. De faire des sélections de ratios qui étaient un peu plus complexes parce qu'il fallait monter le compte de Land pour tes Field of the Dead et il fallait aussi jouer le rituel à 5 mana qui va fetcher de Land dans ton deck. H de la Promesse hein. Ouais, c'est ça. Euh, c'est Hour of, Pro of Promise en, ouais. en anglais. Et euh, lors du Creator Clash, qui est un tournoi qui a été euh, joué euh, sur euh, Magic Arena et que j'ai décrypté dans le coin Metao, eh bien, on a vu Ali El Drazi ramener cette liste-là qui est donc du coup très proche de la liste que j'avais euh, trouvée, mais sans Field of the Dead, ce qui du coup. Euh, euh, rend le deck entre guillemets un peu plus lisse et, et moins dispersé, quand bien même c'est déjà un deck dispersé, ça te permet de baisser ton compte de land et donc du coup d'avoir plus d'interactions et on avait envie de vous présenter du coup sa liste. Qui, vous avez compris le concept, pack toutes les meilleures cartes du format. Quand tu parlais des match matchups, effectivement, c'est un deck qui va bien grinder toutes les versions euh, Lurus-Fer. En fait, c'est le deck qui écrase tous les jeux-Fer du format mmh. et qui perd contre tous les jeunes-Fer. Donc, ouais. vous allez gagner euh, contre tous les decks, les autres decks midrange les decks base agressive, les decks Lurus qui euh, packent pas des combos. Et par contre, vous allez perdre contre les decks qui prennent des tours supplémentaires, les versions Ramp, Field of the Dead et contre les decks combo. Voilà. C'est un deck qui sait à peu près où il se place et, et on fait en fonction. Encore que l'anneau unique. Contre combo, ça peut te permettre de, de survivre. Ouais, c'est pas un C'est pas un bon match-up. C'est pas mon match-up, ouais. voilà. euh, On a des anti-bêtes avec retour au pays, pousser fatal, mettre archer orc, emprisonnement des, euh, par les linley pardon. On a beaucoup de Penzalker avec Teferi et Oko. Et le petit minskenbou on l'oublie pas, qui est ross adversaire qui peut faire anti-bête aussi, même si c'est pas le but. Complètement. Euh, on a de la value avec les Wuro, les Omnats, les Anneaux Uniques et l'Orient Reveal, même si souvent c'est de quoi chercher. Euh, une île, ouais. Une île, enfin. Un type de terrain heal, mais bon, ça peut faire de la value aussi. Le brainstorm, parce qu'on joue 12 fetch. Euh, oui, c'est ça, 12 fetch. Et un petit peu d'accélération et de fixing avec shaman et alflin. Ça nous permet de faire oko ou Retour 2 potentiellement. Ouais. Euh, bon, c'est quand même rare, il n'y en a que 6. Ça, il faut des fetch, mais ça se fait. Ouais, ça mais fait, 6, fait. 6 dans 80, c'est comme si tu en avais 4 dans 60. Et c'est globalement les ratios qu'on choisit les gens avec shaman rythmor. Là, tu ouais. rajoutes 2 alflin pour avoir du coup ton ratio de 6 dans 80. Ouais. Et euh, parce que. Une fois au chalet, ça te permet de résoudre un Teferi autour d'eux et du coup de détruire, détruire certains match ups quoi. Effectivement. Tiomnat euh, qui est d'ailleurs. En side, on a deux poussées fatales. à la base, non, je vous l'épargne, c'est juste plein de bandes de coloris différents parce qu'on a plein cool. de fetch. Deux poussées fatales supplémentaires. Deux lunes alpines qui vont du coup dire champ des morts. Euh, la plupart du temps, deux voiles de l'été. Une aiguille à sectionner. Un impact en fusion. Trois rest in peace. Trois disputes. Ouais. Let's go. On est parti. Alors c'est un deck qui évidemment se base sur l'idée de jouer toutes les meilleures cartes euh, du format dans un seul deck, mais c'est pas un deck troll. C'est un truc qui fonctionne. Oh, le C'est euh, quand même assez cohérent, c'est plutôt euh, relativement bien pensé et ça fonctionne. C'est pas pas un truc marrant non plus quoi. En tout cas pas que marrant. C'est pas marrant bah, Moi j'adore. C'est marrant. Des, des... Mais il y a des gens qui détestent ça justement de ne pas choisir. Et Il ouais. a des gens pour qui quand tu ne choisis pas, euh, en gros tu joues tu joues pas le jeu quoi. Ouais. Bah, moi j'adore justement rencontrer. Trouver le moyen de ne pas choisir euh, en mettant tout dans le même deck avec donc du coup les contraintes de build que ça apporte, c'est ça moi qui me fait kiffer, tu vois. Et ça régale. Ouais, ça régale. Tout à fait. Tu te fais. On joue contre Torben 2302. C'est excellent. Juste, il me faudra un petit tour 3 à foutre après le shaman, quoi. Ouais, mais bon, c'est de, de Et bonjour. Venir. Bonjour Torben qui. Peut Être un viewer, il est bien poli lui. Ok, alors, alors qu'est-ce qu'on veut chercher comme lande un, un, euh, euh, un Zagot ou un euh, Xander Ah, on joue pas Shaman euh, Bah, si t'as pas de tour 3 à mettre au bout, est-ce que tu prends pas juste le pli de. Hmm. En fait, si j'ai pas de tour 3, je pourrais fetcher un, un Triland après. Et du coup, tour 2, là, si je vais chercher un Landimir, ça me permet de ouais. faire euh, Brainstorm Fetch. Ok, donc tu peux prendre un Landimir avec Assure pollué, c'est très bien. Mmh. Et du coup, y on fait un landimir, mmh. tout, mais... oui, oui. y a un Landimir. J'ai pas vérifié qui est tout, mais. Oui, oui. Il y a un Landimir. Bombe aquatique. T'inquiète pas. Et petit chaman rythme mort. P2 PV, chaman rythme mort. Oui, ça t'ouvre le brainstorm fetch le, le tour ouais. après si t'as pas de drop 3. C'est ok. Fetch dans un Triland. Oh, ça met les skins, hein. Okay. On a l'air de jouer probablement à Mirror, sauf que comme on a Yorion. on a Yorion, on est un peu devant dans la théorie. Ouais. Ça peut être aussi Bant Nexus, ce qui nous ferait relativement moins plaisir. Mais c'est assez lent comme deck. Donc on peut quand même le prendre de vitesse. Genre avec ouais. Bill ça, ouais, ça pas tu, tu résoutes des férils, le deck n'existe plus. Mm. Excellent. Ah, mais est-ce que c'est bien de Yorion autour de. De Houro autour de ah, C'est pas mal, hein. Si on est en miroir un peu, euh, ça nous accélère euh, miskenbou. Euh... Si on fait ça, on perd l'opportunité de brainstorm. Non, on ne perd pas l'opportunité de brainstorm parce qu'on pose le fetch sans le craquer. Mmh, si. Bah non. On pose le troisième fetch, on, on le pose sans le craquer. Eh, mais t'as pas le mana pour euh, brainstorm. Ah non, mais pour ah, le tour d'après. Ah, oh, ouais, pour le tour d'après. Dans ce cas-là, go. Ok, ok. Du coup, je vais faire ça. C'est très important d'utiliser tes brainstorms correctement dans ce là Je vais chercher date, là, ouais. un land. Euh... Je vais aller chercher un land Grul. Alors là, c'est vert-rouge qu'il faut que tu prennes, ouais. Ah non je peux pas, c'était lui ah, pour le ouais, rouge. Il fallait chercher vert rouge ici tu peux chercher du coup euh, bleu rouge et avec l'autre on ira chercher vert bleu ou vert noir. Ouais. ouais, je prends pas blanc rouge. Tu peux prendre blanc rouge, ça fonctionne aussi pour Euro parce que tu prends... Ouais tu peux prendre blanc rouge ouais. Je prends blanc rouge. C'est ça qui est le plus dur dans ce deck là, c'est juste séquencer vos fetch correctement. Ouais c'est les premiers tours, ensuite vous êtes bien quoi. Euh, vert, vert, sinon ça ne fonctionne pas. Ouro Et là par contre, il faudra pas craquer ce fetch. Il mmh. faudra pas craquer. Il faudra ah, être solide. Vraiment pas craquer, ouais. Le fetch en réponse. Oh, stifle comme ça en un 6-6. BAM Oh, t'es large. Pas de galère. Pas d'intérêt. Attention, si voulez... c'est important aussi de commencer à fetcher du vert rapidement pour notre ami Ouro. Mmh le bleu t'en as assez facilement mais des fois ton double vert il est pas ouais. évident ok on affronte probablement bande nexus ou alors oh. une version bande euh... si c'est pas nexus on va avoir un match up très favorable si c'est nexus c'est plus complexe là c'est pas mal du coup on ok on va pouvoir résoudre ça et le, et le bouillave euh, ouais et tu donc peux donc là conserver... je vais aller chercher non trilom. tu peux conserver euh, brainstorm ouais, euh... un autre... ah oui ok oui je peux aller chercher ton trilom maintenant ouais. Ouais. ou trilomètre zagot euh... pour le vert euh, ouais premier zagot pour le verre exactement. Ok. Là c'est un... re, re, remue maintenant mé... Non tu fais d'abord remue-ménage. Ah non je vais faire ça là. Mais tu peux faire remue-ménage, remue je et mix. Mbou. Ouais mais est-ce que j'ai pas envie de garder tout ma moment là Et garder euh, l'information de ce que tu veux euh, ouais. pour, pour plus tard. oui j'ai ça up. Ok vas-y vas-y. Je vais lui enlever à lui évidemment. Permana. Euh, 0, peu importe. Ceci. C'est très très fort un mix Kembo. C'est très très, très oui. fort, très débile. Plus un là-dessus. Et si on a besoin, on va chercher un lande blanc pour faire ça. Ouais, ça, ça il faudra que ça soit du vert, euh, genre bassin d'élevage sur euh, lande venteuse. Ouais, ou euh, vert blanc. Sauf si t'as besoin d'un lande blanc, exactement. Ok, il joue euh, plutôt Bandfield of the Dead alors, qui est une mouture euh, différente. Ça me va, hein. je préfère affronter Field of the Dead que Nexus dans le plan de jeu. Imagine, il s'arrête pas de lander là. Il... Toute sa main, il pose. S'il a plein d'explores, ça marche. Hein. Ouais, son bébé ici. Non, il joue quand même Nexus, mais avec un plan de okay. jeu. Ok, je vais lui exiler maintenant. Ouais, tu vas lui prendre avant, les... ouais. avant le trigger, ouais. Du coup, ouais, je dois fetcher. Pas plus pour. Euh... Mindstorm. On a dit ça, hein ouais. blanc. Et tu vois, c'est là où, tant pis pour le brainstorm, mais en même temps, si on était à peu près sûr de devoir utiliser cet emprisonnement, on aurait pu faire en sorte d'avoir le brainstorm le tour d'avant et emprisonnement. Bon, okay. En même temps, il allait prendre une partie de On s'en fout. On il allait faut. prendre une vraie partie Mais partinette. en fait, on s'en fout. Pourquoi je parle On s'en fout. De Alors toute lui, façon. je veux des disputes. Ouais, tu veux juste des lunes. Je veux des lunes. Des lunes et ça passe, c'est tout. Et ouais. Euh... Ouais, non. Non, je crois pas. Qu'est-ce qui est pas ouf contre lui euh, Les trucs plutôt mous. Tout ce qui est, est molasse. Mmh, en fait, ta bouche est nul. Ouais. Euh, Mettre Archer c'est bien parce qu'il pioche quand même. Oh, ouais, tout à fait. Il a des Brainswords, déjà. Oh, Omnat, tu peux en un... Un ano... ano unique, c'est nul. Je fous, rien. Et trois Ah, ça pioche pas. Peux peux en, On en enlève un peu quoi. Je peux cuter un, un Omnat. Et... Euh... Je veux... Déferir, c'est ta meilleure carte. Ça, c'est bien pour gérer ses hourous. Ouais, c'est bien pour hourous, ça t'oblige de le garder. Mmh. Ouais, tu peux enlever toi-même un Turo ou une Alpheline. Tu peux enlever une Alpheline hein. Tu sais, Alphine c'est vraiment pour. Euh... Bref, on est vrai encore ça en fait, c'est mou. Ouais, toi tu veux lui passer en dessous. Tu ouais. penses qu'on lui passe pas au dessus, ok. Bah en fait, si jamais ça traîne, il a trop de bloqueurs et tout. Ok. okay. Mais j'en garde quand même un peu parce que ça peut faire des choses. Mais ça tue à distance. Hein. Euh, les gens l'oublient, mais ouais. c'est une dynamique qui fonctionne quoi. Ou un fetch putain, avec, le... avec le nombre de fetch que t'as, ça tue bien. Ouais. Et ça dégage. C'est dommage. Il a pas beaucoup de gestion à 1 hein, s'il a password mais bon. C'est Shaman dans Teferi Tour 2, c'est... Je pense qu'il concède. Et t'as euh, l'Oriane Reveal pour euh, si jamais tu ouais, trouves je trouve bien, pas ton land. Ouais. Moi je la Ça se tente. Je la tente, on y va comme ça. Genre tour un Shaman mort, tu trouves pas ton land, on fait l'Oriane Reveal et... Bon, c'est bon, extraordinaire. Alors attends, Chez attends. Quoi ouais, fetch correctement. Je crois que tu vas chercher Golgari ou bassin d'élevage. Bassin d'élevage, je pense. Euh, bassin d'élevage, c'est mieux. Ouais. Du coup, avec ça, ça marche. Ouais. Avec les deux. Ouais, ouais. Oui, mais lequel t'as le plus besoin pour la suite Ah, mmh. oh, bassin d'élevage, c'est bien, ouais. Non, mais de quel fetch t'as le plus besoin ah, pour plus tard oui, ouais. euh, Ça, j'ai l'impression que c'est. Alors attends. Ah. C'était mieux ça? Et ouais, du coup, parce que s'il a une dispute euh, Alpheline, ça rendait un contrat pour T'Eferi. Ah putain, parce qu'on était sur euh, truc Shaman. Ouais, on, on, était, était, sur, on était sur Shaman, je mais. sur le et, play, Mais Alpheline, je pense que c'était un peu meilleur finalement. Mais ouais. Pas très, très oui, grave. Parce que Alpheline. Euh... Je, je ouais, pense, qu a un autre fait, je, je pense je... que là, il va pas euh, lander up. Meilleur Il a de très beaux landes par contre là, Par contre, ça. il a quand même concédé avant de savoir qu'on lui faisait Oko ou T'Eferi. Il ouais. a vu venir le truc. Non. Si, y a pas trop combattu, moi, tu, quoi. tu connais ma manière de penser, si j'ai pas eu de problème avec le soft, je mets toujours oui. On va dire oui. Et du coup là le jeu se dit, ah ok, donc si je mets des adversaires qui font que dalle, il adore. Ah ben, ah, je lui mets oui que ça. Ah moi j'adore. N'hésitez pas. Bon, pas très euh, résilient le, le coup, Non, Fin hein. de cette vidéo, c'est pas vrai. Mais c'est-à-dire qu'il a estimé qu'on allait forcément résoudre Oko ou Teferi dans nos Yorion 95 Attends. Que... Attends au moins de voir quoi. Je crois qu'il avait une main pas ouf et il s'est dit, vas-y, et du coup, il a gardé une main pas ouf en mode je concède après mon brainstorm. Il était brainstorm lock, ouais. Il a pas trouvé de fetch, je pense. Et il sait que les trois après, je c'est le quoi pour ouais, okay. garder à 7. Okay, ok, On joue en premier encore une fois. Et... Ah, c'est les mains bizarres. Ça, et les mains ça, ça coûte bizarres... 4, ça, ça ne sert à rien. Ça, c'est lent. Et ça, ça dégage. Ouais. Une main de merde. Oh, c'est bien, c'est ok. On va enlever en la plaine, je pense. Ou la plaine, oui. Plutôt la plaine, ouais. J'aurais euh, besoin de ça. Euh... Ouais, peut-être. Hein. Du coup, je l'ai en fetch. Ouais, plutôt, et tu prendras Jetmir. Ok. Jet ouais, Mere si il y a un trio à aller chercher, ça me va. Oh, ouais ouais, il y a, y a, y a Jetmere. Jetmere Garden. Jetmir Garden. Garden. T'as Zagoth, Xander et Jetmir dans cette version-là. On dirait que t'as donné euh, le nom d'une triplette. Genre trois frères ou trois bandits, tu vois. Bah, c'est le cas. Ils sont connus. Et ils sont très connus, bon. Griselbrecht, c'est marrant ça. C'est pas. Euh... Ah, ça me fait penser à un mix entre -le Band et euh, Gratchenbar. <laughs> tu, tu, tu te souviens de cette phrase euh... qui... ouais, euh, la guitariste. <laughs> ouais. La luthière. Ouais, la luthière. Oh. Ah. Soit tout le plus sur moi. Bon, bah. pis mm. Il est magnifique ce mari. Oui il est très beau, Kozilek aussi il est très beau, les cartes de Oppo là sont très beaux, je suis content de jouer contre lui. Et ça... Il a tourné le... son deck tu vers nous. Tu sais qu'en qu timeless ça pimpe de zinzin. Ah bah de toute façon c'est la... il y a un pré donc... Euh... Ouais ouais, c'est genre quitte à avoir un peu de thunes là on en a la max. Hein. Ok moi je lance ça engagé. Hein. Ouais je crois que fin de tour tu iras chercher du mana rouge, oh, tu l'as, non tu iras chercher ce que tu veux. Ouais. T'as déjà du vert, t'as déjà bien assez de vert, même. trois verts, j'ai qu'un seul bleu. De toute façon, je suis obligé de prendre du bleu. Ouais. Bah justement, qu'est-ce que tu mets à côté de ce bleu du noir, un... du noir, je pense. Tu mettras du noir. Xander, du coup. Et mmh, on l'en Ouais, ouais. Okay. Ah, quoi que Xander, t'as pas envie de le piocher histoire de le recycler Si. Non, je crois que j'irai chercher euh, le, le... le Raveland Zimir moi. Surtout si tu trouves un Drop 3 à jouer, ça te permettra d'encher les Drop 3 dans mes... Dans ouais. 6. Oui c'est vrai parce que là j'avais un déjà un nombre d'étape mais c'est pas le cas mais bon, on va prendre du rion là hein, euh, oui oui je paye de paix je prends alors il joue pas l'urus donc c'est probablement pas euh, bah, l'urus Control. Euh, il c'est probablement pas non charbel plus... Charbelcher, c'est probablement pas quoi euh, pact aussi c'est alors c'est étonnant qu'il ait joué ça sachant qu'on a ça en main ah ça peut être l'urus Dimer Control mais sans l'urus pour des euh, pour des one ring ça peut être ça. Ah, bah il va être content, ouais. Forêt. Ah, oui, oui, d'accord, ok, c'est pas Dimir, c'est. Gogar. C'est Golgari. Ah, mais je sais ce qu'il joue alors. Golgari, Nécropotence. C'est vrai. Il y a des fois de base Au moins une Je pense, ouais, au moins une. Exactement. Il a qu'un verre, je mets un gros Minsk tu vas Gros Minsk, ouais, complètement. Titi et Gros Bon, ça paye. Tu sais que résoudre un pas c'est pas rien. C'est pas rien du y tout. Il y a un plaisir quoi. Ouais. Bim. Vas-y Bou 4 points. Pile la tête J'ai un plane à quatre, une 4, une 4-4, puis sinon c'est hérité. S'il fait le malin, c'est moi qui le pousse dans le ravin. Ah je pense hein. Comme ça. Puis là en plus il peut pas nécropotence au, au tour 3 sauf s'il a une messe noire. Ouais. Attention ils sont forts hein. Oui oui. Ah bah des fois ils font messe noire, nécropotence. Moi quand j'ai 1000 skinbooks qui tourne, il fait nécropotence, il pioche 4. Vas-y. Par contre il est vachement fort gros, il vient de péter son XM, mixemble, ça me fait chier. Ouais, oh, j'ai toujours la 4-4 hein. Oui oui, c'est vrai. Moi je vais faire ça, puis land. Oh je fais Yorion, je le bink. Bah on Jamais il la ferme le... Le le là par contre. Bon par contre... Mix... Euh, oui c'est bon ta gueule t'es plus là en fait. Oh lourd. Ça me déconnait hein. C'est fou. Quelle qu impudeur! Non, mais oh! Oh, le fatal push! On se pêche la carte quand même? Après, je suis pas, ça prend pas! GG à lui, hein! Franchement, ouais, s'il a fatal push, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise, moi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais. ouais! Bah oui! Tu Je crois pas, hein. je crois que tu vas pas le lander, hein. je crois que tu vas omnatland le jour d'après. Ah ouais? Ou alors t'estimes que tu vas trouver un land? C'est ça que tu dis? C'est vrai que c'est 4-4 ça. Hein du coup. T'estimes que tu as pioché land Non. Enfin, je suis pas sûr. Avec ton Omnat, donc t'as ta dro plus ton Omnat dans... Et j'attaque ou j'attaque pas Ah non, t'attaques pas, ouais. Bah, ouais, moi je, je fais conf, moi je la joue comme ça là. Moi, je fais conf, comme Beckham. Je la... je la joue safe. Si on perd alors qu'il a quand même rien fait avec ça, je suis d'ailleurs. Hein. Bah, il a joué deux fois la meilleure carte du format, gros. Ouais mais ça ça n'a rien fait Oui oui Mais comme il a joué ah, oui, Deux ça, fois oui. la meilleure carte du format Bon ça outrepasse Le fait de rien faire Oui Oui monsieur Parce qu'on est bien Avec nos deux brainstorms là Ah bah contre ça oui Tu vas chercher ce que tu dis Car Oh Ah oh, merde Omnat Omnat et on va trouver un Un fetch qui euh, un blanc. Ouais ou une plaine C'est bon hein On va dire que c'est ok Mais non on est mort ah bon? Il va, il va mettre les deux face et quand tu vas jouer ta reliquaire impie, ça va, ça va s'ordonner au même moment? On va être à deux? Euh, ah non, je vais payer les deux points de vie avant de gagner les pèves. Ouais, c'est con. Vas-y, hein quitte. Et ça va bander Et puis en plus, il a l'outrecuidance d'avoir un 6-6, ça m'énerve. Putain, c'est pas fini. Bon, j'ai quand même une petite idée de où on va là. Bah, il faut qu'il ait encore une interaction. Il en a déjà eu euh, deux. Bon, il en a trois. On sait toujours pas ce qu'il joue. Hein. C'est genre un euh... espèce de Golgari Ouais, c'est le genre de match-up d'ailleurs qu'on est censé détruire. Ouais. Il joue June midrange, mais sans l'Urus. Euh, je mets ah, deux poussées euh, fatales. Ouais. Laisse-moi te dire que c'est tout. hein ah, C'est hein. pas mal contre lui. Non, je crois pas. Ouais, c'est bien contre des défausse. Tu veux, tu veux ça contre des défausse Elle est un peu nulle, ça, défausse. Defausse, anti hein. bet euh... C'est pas mal. Liliana. Qu'est-ce qu'on veut pas Il fait moins 2, on dit non. Qu'est-ce qu'on veut pas euh, Qu'est-ce qu'on veut pas Genre, contre lui Memory Labs, est-ce que c'est bien contre lui Pas non. certain, je crois pas. Je crois que je sors mes 4 Memory Labs. Et tu rentres tes deux voiles de l'été ouais. Et tout le reste, c'est acceptable Ouais. Tout le reste, c'est acceptable. Ok, vas-y. C'est bien, c'est bien. bien. Oh, plus... Après, c'est vrai qu'on a eu un anti Il l'a enlevé. Et on en a eu zéro autre. Zéro autre. Ouais, pourtant, on est quand même assez clafi. Hein. Mm. Laurent Clafi Oui, le sniper. J'en remis. Super. Ouais, c'est bien, super. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est très ah, bien, même. Très, très, très bien. Ce qui est chiant, c'est que contre lui, les maîtres archéors qui ne sont là que pour tuer ces maîtres archéors. Mais ils sont là pour ça. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, euh, go, on repart sur Dimir. Hein. Fetch Dimir, un shaman. Tranquille, quoi. Tu vois, oh tu vois lui son deck, tu lui mets un petit Oko autour d'eux, ça dégage. Ah bah il est, il est battu. Mmh. Si, il doit jouer des trucs qui font sacrifier mais bon. vas-y, vas-y, pas de galère. On est entre nous là. Ouais, surtout pas jouer, faut jouer ça. Faut quand même trouver un mana quand même. Je vais le trouver Val, t'inquiète. J'espère. Je vais fetch Sri non Je garde les chances de... Je les, crois des... que tu gardes les chances, ouais. Ça a pas un pain, putain. Ah ça pimpe hein, ça pimpe fort. Hein. Ça y va, ça y va franco. J'ai hâte de pouvoir pimper ces landes Comment je peux... En vrai. Ah, je peux pas aller chercher... Ah si je peux aller chercher un blanc-vert pour pouvoir casser ça et ça. Ouais. Oh, oh là, bah j'ai une super cible pour toi. Oh mais comment il est attrapé ce petit singe Allez, là. Allez blanc-vert, c'est parti. Attrapède. Attrapède. Il est tout à gauche. Ah oui, je vais dire, ben, je ne le vois pas. Non, non, tes ils y sont tous. Une autre page, une autre page. Toutes les séquences existent. Hop là. J'aurais même pu autre cuir, lui mettre un et bloquer avec ma un. un. C'est vrai que mettre Archer c'est bien finalement. C'est vrai que s'il a à en plus, ça euh, bon. fait plaisir. Pas plus Shedland, mais. Non, on est bien, on est bien. On a du choix dans la date. Ouais, oh, t'inquiète. Toujours bon, un hein, petit choix dans la date. Hein. Fecht. Ah oui, mais ça pimpe, pimpe, en fait. Ah, je te dis, lui, il est solide, hein. Pas mal. Oh j'en mets un. Putain de merde. Excusez-moi, il faut que je m'énerve pour piocher un land Vas-y énerve-toi. Bah voilà, ça y est, c'est fait. Est vrai que je sais que c'est impressionnant, mais non, c'était pas mal, hein Il va quand même pinguer l'archer. Le... On peut pinguer son archer si tu, si tu veux. Ça fera grossir notre 1. Mmh. Euh, Il va avoir là. La... Attends, j'attends qu'il bloque avec ça 1 je crois. Okay. Ah oui, comme ça tu lui manges là 1. Si les... Il va pas le faire, dommage. Moi, du coup je fais ça, je tue et je mets deux. Ouais je pense. De toute façon, nos, nos maîtres archers, ils savent qu'à ça. Hein. Mmh. Il l'a fait... pas encore bloqué si. Il t'a vu venir... Euh... Si si... Il a Quand vu il, vu il joue ça, pendant quoi. les phases d'attaque avec Arena, j'ai toujours du mal à... Ah non, non mais il, a, il, cure, a, il avait dit pas de bloc. Il avait dit... Comme il y a rien qui s'affiche, juste la phase passe. Comme à Disney. Le phase passe. Pour, ah, pour aller vite dans les manages. C'est pour dans les Stylé. Genre le Space Mountain, il va plus vite du coup. Ouais. Ah. Okay. Mais du coup s'il y a que toi qui a le passe... Mais putain, non, je... merde, arrêtez là. Euh, avec, euh... Du coup ça va vite mais que pour toi. Ça va vite que pour toi. C'est une technologie Eco disney Comment ça, Comment ça fonctionne Comment tu fais pour aller plus vite que les autres Je pose pas trop de questions. Ah ouais, c'est vrai. Il pourrait m'entendre. Bah, pousse le fatal, lui. Hein. Le 2. Ou mettre archer Ouais, ah, mettre archer quand même. Pl... Regarde ta main, il y a que marqué... marqué pioche partout. Ouais. Ah, c'est pas que j'allais tuer les deux, en fait. Et je crois que tu es beau. Hein. On a l'avantage. Ah, ouais, ouais. On a l'avantage. Prenez bien le temps. C'est dommage parce que vraiment avec ta main tu, tu, le, tu le détruis euh, avec un troisième mana. Il y en a encore un ou pas Deux Deux mettre 14 cartes, triple maître archer. De mettre à chier Le maître à chier orc. C'est que là il va nous jouer Minx, on va perdre. Ouah, c'est encore pire je crois. Ouh. Ça va. Ça va. On va, on va retour au pays, euh, son elf. Hein. Ouais, ouais. Économiser des païves. Et nous derrière, si on résout un Teferi, on est bien. Une tropéev. Tes ferry boons. Oh il joue de l'ancienne quoi. Allez un land s'il te plaît le jeu. un cra. Je crois qu'on boons son truc. Ouais, au ouais. Premier degré. Oui parce que je veux piocher ma carte. Et, et donc cool. là tu veux du rouge et du vert je crois ou du bleu. Non tu veux plusieurs bleu donc du rouge et du bleu. Donc Steam Vents. Steam Vents. Ouais. Euh... Tac je paye deux. Je te ferry. Et on va te ferry. Et là, après maintenant, dès lors qu'il a Ninx Kembu, notre game s'arrête instantanément. Mais. On a des, des cartes à jouer. Hein. Mais il peut ne pas l'avoir. Il doit probablement pas en jouer 4. Là, on a beaucoup de landes qui nous permettent d'omnat. Ah ouais, il joue vraiment à l'ancienne. Tu vois, ça, c'est un gars qui se fait plaisir. Ah ouais, là, il se fait kiffer, là. Ça me régale. Moi, j'aime bien voir les gens kiffer. Ouais, là. moi aussi, ouais. Et ferry résout ou pas Il a un petit ping Comment il a un petit ping non. non. Non il relie, il relie la carte, il dit, putain c'est vrai que ça existe oh. ça. Plus un, déjà. Plus un, ça, pas de ça. Usin déjà. Usin 1 def, ça c'est sûr. Ensuite, est-ce que tu... Oko Où Ou est-ce que, est que, que je tu... Ouro. De... Ouro j'aime bien Allez chercher un peu des landes. Ouais, sachant que t'as omnat derrière. Vas-y Ouro. Uro. Sachant que Omnat c'est censé un peu le détruire normalement. Oh, génial. C'est pas mal. Okay. Ouais, pas mal, ouais. Il nous faut. Rien pour jouer, ouro. Euh, On peut le jouer. Ouais. Bleu, bleu, vert, vert. Ouais, ouais. Bah, 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 bah. C'est vraiment le, une des, un des seuls trucs auxquels tu dois penser quand tu fais en early game. C'est. Euh, attends, faut, que je, casse, faut que je casse mon ouro. Sinon, franchement, la mana base, elle tient pour tout. Est, elle est parfaite, mm. la mana base. Il pas de souci. Ouais, d'ailleurs, je vais bien le caster, moi, mon ouro. Au oh, punaise oui. Au oh, pétard dit. Au oh, purée de pommes de terre. aux fan des pieds. <laughs> L'expression du sud, un peu, un peu vieillotte. L'expression de daron. Ouais de daron ouais. De mais mais nous on est des darons tu vois donc de daron de daron. Déjà. Ouais. ouais. On est dans l'âge de daronner tu vois tu oui. On est euh, en capacité de. <laughs> en capacité de ouais. Ça, depuis déjà pas mal d'années, hein, on est daronnable, On est daronnable <laughs> aussi, ouais. Non, mais avec tout ce qui va avec, et oui, 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 okay. on va assumer. Home, ah, je crois que c'est une hein, Quand bien même, je me fais, je du coup. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu que tu veux faire Tu veux lui donner euro du coup Dans tous les cas, tu vas le perdre euro. Il va faire moins deux et il va venir te le cloquer avec. Euh... Oui. Avec ça donc, ah, en fait euh... en fait quand j'y pense en fait quand j'y pense euh... oh, il fait moins de là il se tâte. alors les bon. oh, si je trouve un fetch je suis trop bien ah ouais là tu fais les deux c'est vraiment old school je rappelle qu'on est resté pendant trois tours avec seulement deux landes ce qui, sinon on serait très très bien dans cette game Lise le jeu, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut essayer d'inverser un petit peu la tendance Nous donner une carte un peu positive. Il faut prendre en compte qu'en Timeless, c'est quand même un format de kiff. Donc là, l'algorithme fait que Griselbrecht, il kiffe. Tu vois mm -hmm. Oui, chercher une forêt. Ouais, ouais, ouais. Et tu peux quand même caster tes cartes. Non, mais c'est trop. Je tente un fetch ou pas Si jamais tu fais mix, tu le perds, mais tu gères sa liana, c'est ça le plan je perds mix mais j'ai et j'ai ma 4-4. Lui il va quand même nous jouer une 6-6 derrière. Qu'on va... pouvoir au Qu'on peut au cours. Ouais. Ah, viens on joue avec ce qu'on a gros. Avec ça Ouais. Il va peut-être pas nous enlever Euro parce que s'il veut faire son croque ça, il, fait... il n'attaque ouais, pas, si pas avec ça. il n'attaque bah, pas avec ça. Vas-y c'est Minsk. Je le sens. Allez, je le sens comme ça là. Tiens, on l'a joué à chaque game j'ai l'impression. Ouais, bah il est fort. Hein. Ah putain, il va encore ouvrir sa gueule. J'ai cru qu'on avait fait une erreur là. Ah, pas ça. Non. non, mais il va continuer à euh, parler quoi. Ah oui, ça il va parler. Tu vas parler, oui. Là il a repugé Elena <laughs> Liliana, je suis Minsk, je suis bout. à non, toi. Non, non. Elle va pas faire ça. Et avec la monnaie, hop, je te bête, Hollande. Mais attends, si... moi ce que j'aime bien c'est que s'il fait croire que ça, il gère, okay. le... il gère pas le euro. Pour l'instant il gère pas le euro. C'est ok, tu vois. Mm -hmm. Tu vas défausser ton nat et tu vas pêcher le quatrième. Run, Run mais mais t'es quoi bon Arrête non, de mais... parler comme ça Ça va, il a pas trop, trop causé. Parce que tout à l'heure il était en mode alors oui, moi vous voyez, je suis dans le poisson. Euh, le poisson en ce moment ça se porte très bien. Et qu'est-ce que tu racontes Allez, ciao, nat. Je t'en supplie, trouve en fait. Je peux aussi juste ça. Je t'en. Yes. Omnate fetch Oko, Ton croc, ça c'est de la merde, mon gars. Si l'anti-bête, si l'anti-bête, de toute façon, ouais, on s'en bat les couilles, non Viens, ça s'en bat les couilles. Oui, moi je m'en bats les couilles en tout cas. Toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, personnellement. S'il a tout, 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 tout. Et ben on aura perdu le game. La montre soir, gros. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, je vais transformer ça en 4-4. Oh là, on va lui faire du sale, mon gars. Super ce brainstorm, pile au bon moment. Oh, c'est bien pêché ça. Après, allez me dire qu'il n'y a pas d'algorithme. Ah mais venez me le dire à moi, venez me le dire en face. Fest. Eh oui, fest. Fest au co. Tu euh... peux prendre un Tu t'as hein. besoin de rien. Donc, Trium de Zagot, je crois. Donc, Trium de Zagot, je crois. Avec un mana bleu d'étape, je pouvais faire un remue-ménage, mais j'ai l'impression que c'est pas ah, les, Je crois que c'est surtout pas l'ambiance là. Tu vois. Tiens, ça, il me semble que c'est nul. Je pense que si tu décides de faire brainstorm, ton oppo va être assez content. Pas d'attaque. Là, tranquillou. Là, là, on est pas si mal, tu vois. Parce que Coco Lastico, il est à 11. Hein. Bon, par contre, notre euro, on va pas le revoir. Hein. Je préfère te prévenir. Hein. Bah, je le tuerai son maintenant. Mais qu qu'est-ce qu que tu fais Griselbrecht Attends, tu vois pas ce qui se passe là Tu vois pas ce qui est en train d'arriver là La meilleure carte jamais éditée dans Magic Tu la laisses dans le cimetière mais Il fallait qu'il y ait une Game 3, c'est game. Mais attends, mais il est fou ce type. Ça passe par là. Ah par contre, t'es chiant. Je préfère un te, peu chiant, ouais. je préfère te le dire. Un peu, un peu chiant. Ouais. On perd Rocco s'il met tout dedans. Ouais, mais on peut lui sniper une bête. Et surtout pas Genre ça. ça. Non, ouais. ça, ça va rester un élan. le Un très bel élan, par contre. Et il est magnifique. J'ai rarement en, vu plus en, bel élan. Vert, ça marche très très bien, je trouve. Ouais. Oco, tu devrais penser... par euh, pardon, tu devrais penser à te reconvertir oh. ou... Eh mec, il est June là, regarde. Il est bien June et franchement, tu devrais faire un, un petit tour dans la forêt, gars. Ça te ferait pas de mal. <laughs> je pense. On aurait dit une phrase de Jonathan Cohen. <laughs> comme t'as dit, gars, à la fin. On va faire un petit tour dans la forêt, gars non, mais je, ça le ressourcerait, quoi. Je le sens un peu. Euh, je sais pas si t'as cette sensation, il est un peu sur l'écran, sur les nerfs. Ouais, ah ouais. Il a des de thé. <laughs> Il a clairement les de thé. Alors là, qu'est-ce qu'on y tue, là eh, Ragavan sur nous. <laughs> oh, on y tue maître archer direct. C'est l'erreur. Ah non, non. je tue Ragavan, là. Ah ouais bon, On s'en fout de Ragavan. Tu vas jouer du rôle, le temps d'après. Il y a pas de ça bah, je ça. crois je me trompe peut-être mais euh... ah, je peux pas le sauver là si tu peux le sauver ah, je peux le sauver comme ça tu veux le sauver et comme ça tu mets tu fais que son maître archer c'est un 3 3 euh... où je fais une food et j'ai un gros bloqueur hein. non mais je veux pas je veux pas trigger son maître archer c'est où on le tue euh, maintenant où on en fait un 3 3 et si tu préfères le tuer maintenant et perdre le oko j'entends je... tout à fait bah ouais, tu un 3 3 c'est nul euh, transformer en 3 3 alors du coup nul, bien le plus Viens, on le tue, ouais. on fait notre euro, on est tranquille ou quoi. J'ai eu peur. Gros, il s'est passé un truc là, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'on a fait qu qu a Alors, tu peux d'abord euh, brainstorm euh, grève inondée si tu veux. Pas sûr, bah, a... Je vais garder qu'une quinzaine sur les trois dans tous les cas. Ouais, mais ça te permet d'aller de... chercher, genre, je sais pas, un sort tout plus cher. Bon, un... enfin, t'en as peut-être pas besoin. Hein. Mm. Sachant que tu vas piocher aussi une carte avec ton euro. quoi. Donc tu peux un peu séquencer pour piocher ce que tu veux. C'est quoi le mieux en premier bah, Moi je ferai brainstorm. D'abord brainstorm Ensuite je fetcherai histoire d'être sûr de trouver un land, je crois. Mm -hmm. Ah tu vois, emprisonnement c'est parfait. Donc j'enlève. Ah mais du coup je ne veux pas fetcher. Tu fetcheras juste la deuxième. Ouais. Donc je mets ça comme ça. Ouais. Avec le au-dessus. C'est ça. Non mais en fait là les deux tu peux. Ah pas non, je vais tu... les piocher, c'est bon. Regarde, je mets ça comme ça. Ouais. Là, je joue Ouro pour piocher mon co Et après, je pourrais fetcher pour me dégager ça et jouer ça. Tout à fait, c'est bon. Euh, on reprend rien de notre cimetière. On reprend que tu veux. Donc là, on le pioche. prends une plaine au cas où il y a un blue, une Blue Moon. Ouais. Je tu fetch maintenant Ouais. Et est-ce que je gère pas ça maintenant C'est une vraie question. Est-ce que c'est traqueuse que tu veux attraper ou est-ce que c'est son croc ça Son croc ça, au pire on y tape, on le laisse passer. Ouais, non, c'est traqueuse. Sinon, je lui laisse faire un truc de plus, hein, tant pis. Non, je crois que t'as raison. C'est traqueuse, on s'en fout de son ragavan. Ok. En fait, traqueuse, c'est science. ça lui donne de la ressource. Et là, on entraîne le grinder pour l'épuiser. Mmh. Je Je suis pas attaqué non. Moi je resterais safe à, à cause de son Ragavan et... En fait, t'es sûr que ça ouais. tu le bloques pas déjà, donc... Euh... Ouais, ouais. Ou s'il y a trop de trucs à pas bloquer. c'est Et chiant. en plus, il a aussi un Manland qui a la menace et tout. Moi je resterais un peu, un peu sur la défensive, quoi. En fait, là, s'il si craquait... Ah non, c'est un trésor, c'est pas un indice. Mais de toute façon, s'il faisait le land, il craquait l'indice, ça devenait une 6-5, la traqueuse. Et c'était chiant. Pour... Moi, ce qui me faisait chier, c'est qu'on est qu en train de le grinder, donc épuiser ses ressources. Et dès qu'il top deck un land, bah du coup c'est une draw. Euh, ah ouais. ça, ça me fait chier, quoi. Oui, c'est deux cartes. Enfin, une carte qui se remplace. C'est ça. On va faire Oko là, on va le passer à... en faisant un petit food à 2000, et on sera bien. Ou alors je fais moins 3 sur euh, Mix and Pas enfin, sur Bou. Tu vois son Ragavan là, il sert à que dalle. Pas, pas moins 3, je transforme en 3-3, ça devient une 7-7. Ça on peut pas attaquer, parce que sinon euh, c'est cadeau. C'est cadeau de le lui rendre Il a combien au cimetière 6. Et ça fait quoi si nous rejoint Croxa On le retransforme en Delk non bah, c'est qu'en fait, on perd Ouro et lui, a quoi que ça. Euh... Quoi on que non, peut on peut le rejouer perd... maintenant. Comment on perd Ouro Non, non, si on rejoue maintenant, ça va. On fait At ça Attaque avec les deux, et vois, vois comment il bloque. Toi, derrière, t'as Oko, Shaman, t'es large. Hein. Ça le tue pas, hein. Il peut passer à 1. Ouais, et ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous, on est à 16. Ouais. On va dire que ça passe. Ça me paraît, ça me paraît ok, hein, je pense. T'es large. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas, pas mal. C'est très jolard Là, il va forcément donner son croc ça en mode hé hé, je vais le repiocher. Non. Enfin, que tu, tu le rejoues, on s'en fout quoi. Faut faire attention comment il bloque. Même pas tellement. S'il double il il bloque, il attention. prend push ou sort tout le Oui, lui, faut il faut qu'il fasse attention. Bah, il double bloque, je mets tous les dégâts sur l'autre et je lui laisse croquer en entre 3. Il a bien joué. Et nous on a un tour au joue ça du coup. Ah ouais complètement ouais. Complètement et on jouera Oko en réponse à son ça et on défaussera une chaman rythmant, on s'en fout en fait. Ou la carte que tu auras pioché comme. Là. Ouais. Tu peux gagner encore 4 PF si tu veux, mais ouais, tu je préfère pas, ouais. Tu je peux, peux faire jouer ça et, euh, et défausser l'île. Ouais ça me 3. va. Et puis là en plus t'as Yorion qui en plus va arriver pour vraiment finir le game quoi. Ouais. Parce que euh, ce chaman là il peut exiler je crois que ça potentiellement. Tout à fait. J'adore euh, ces games là en timeless. Quand on a deux decks faire qui s'affrontent ouais, ouais. et que ça juste manage des ressources un as, peu mid-range. T'as passé le début un peu... Euh, euh, je me peux me faire attraper ou quoi ouais. sur un truc et là maintenant c'est vraiment bagarre. C'est bagarre bon. et à ce jeu là notre deck il le est Vu le, le board qu'on a on est plus content. Notre, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus bagarre que le sien quoi. Ok, je crois que ça. Hein. Ouais, tu vois, ça. une 3-3. Tellement, ouais. Tellement nul là, Crocsa, pour le coup. S'il attaque, je bloque Ragavan, ouais. ouais, parce qu'il peut trouver des dingueries dans notre deck avec Ouais, la ouais, ouais. et il a 4 mana, euh, Et il en aurait 6 même. Parce qu'il a un trésor plus celui-là. Ouais, qui ouais fait. Non, tout à fait. Moi et je tu peut le transformer donc, en Elk, parce que même s'il rebloque pour récupérer son Crocsa, il aura plus le cimetière pour. Bah, je vais d'abord attaquer avant de jouer au cours, d'ailleurs, je crois. Eh non, parce que sinon il va trade ton héros. Ouais, mais moi je peux le rejouer lui non Ouais, hmm. mais du hein. coup t'attaques pas avec ton 4-4. Euh... Ah, je crois que je le transformerai en L quoi. Ok, je fais juste L. Comment. Ouais, je pense. Yeah. Il a géré ton Omnat et t'as pioché Fetch. Hein. Ouais. 3-3. Euh, ouais, comme ça il a pas de bon bloc, tu peux attaquer avec les deux. Et surtout s'il double bloc, tu peux encore faire en sorte qu'il gère pas ton croc ça quoi. Excellent. Ouais, en plus là c'est ah, là c'est il est on est dans les mouvements sa euh... euh, patoche de son côté, c'est fini la game, elle est échec et mat Est-ce qu'on a pris beaucoup de temps oh, je vois pas à cause du land. Oh putain, je vois que dalle mais on est dans la vingtaine, 23 je crois. Et lui il a à combien 23, 15 Ah non, c'est pas possible. On est à 13 alors. Ou 18, 13. Je qu'est-ce que j'en sais moi, je vois rien du tout quoi. Et je prends Orion. Bon, ouais, complètement. Ouais. Complètement, comme ça, t'as un truc à défausser entre ton Brainstorm et ton Yorion si jamais il pioche un fetch pour rejouer son Croxa. Ouais, il peut fetcher Croxa, mais dans tous les cas, il est mort s'il fait ça, non mmh, Non, il est pas mort. S'il fait ça, on va lui donner ah, si, une et récupérer Croxa, je crois. Si, si, s'il si, fait juste ça, Croxa, euh, je transforme ça en 7-7 piètes et il est mort. Ouais, aussi, ou alors tu peux aussi lui voler son Croxa. Ouais, ça, c'est marrant. Oui, je le prends en son Croxa aussi. Oh, ça, ça me fait rigoler. Ah, oh, ça, je rigole. Et c'est bien Et joué. Ouais, bien joué, euh, Griselbrecht, euh, Chambard. Elle met ta guitare, mon gars. Il y a une troisième game du coup. Bah, bien sûr. Let's go. Comme ça. Parfait. Ah, est-ce que on veut des petits pistes du coup Non, je crois que ça nous impacte autant que ça l'impacte. Voir euh, même si c'est plus chiant pour nous. Ouais, c'est plutôt quand Je dirais que Molten Fusion, par contre, c'est bien. Une gestion de plus. Ouais. À la place d'un truc dont on se fout, genre Teferi Bon, c'est enfin, bien contre les tokens, mais bon. Ouais. Bon, En fait, mmh. la vraie menace de son deck contre nous, c'est Orkish Master. Si on oui. a tout le temps une réponse à Orkish Bomaster, il peut pas trop nous arriver grand chose. Ses cartes ne matchent pas les nôtres. Et normalement, ça doit le faire. Oh, Est-ce qu'on a dit un commentaire dans cette vidéo Non, j'en ai si tu, Je... si tu veux. J'en ai également, tiens, un a... chacun. Allez, vas-y. Mmh, tac, tac, tac. Oh, j'en ai un super. Vas-y. Alors attends, parce que j'en ai deux. C'est bon. Death into double full. Oppo qui joue bande casse en chante. Dernier adversaire qui joue un deck nul RP méchant à choc Vraiment, cette vidéo est un classique. Je suis d'accord. Nice. Merci. Et euh, moi, j'ai un commentaire. C'est quel régal d'avoir débriefé 2023 avec mes gassures. Ça, ça fait plaisir. C'est qui c'est, ça C'est le gars sûr. Je garderai bien, moi. C'est une bonne main. Ça gère pas son maître archer, mais. On a tout le gras, quoi. Moi, alors, on a tout le gras du jambon. Moi, j'ai la sensation que notre deck, il perd que en early game. Et ça, c'est une main qui perd en early game. Qu'est-ce ah qu'on pense Avec ça et ça, tour 3 Ah ouais, mais tour 3, quoi. Sur la draw. S'il fait Ragavan, c'est vrai qu'on est un peu. Ah, euh... Je garde pas ça. Je garde pas ça parce que je pense que si la game, elle dure un peu, on est sûr de gagner. Genre, ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est excellent, même. Ouais. Et je crois que c'est Précepteur Diabolique qu'on enlève. Genre, pas la tempo, pas l'envie. Euh... Ah non, c'est ça. Ah ouais ah, On peut pas le caster, ça. Pourquoi on ne peut pas le caster euh, on a Ouais, on n'a que de l'onde. Ouais. En plus, ça nous fait diminuer les pèves. Tu vois qu'on est un peu du just. Ok. Ça, ça c'est m... cheaté. Hein. Ça m... Ouais, 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 ok. Par contre, comment on lande là Si, c'est bon, je l'ai. On lande ça et ça, ça va chercher un or blanc. Euh, ouais, j'irais même. Ça ça. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un. Qu'est-ce qu'on a qui fait... Non, un jetmire. Ah oui, mais du coup, on n'a pas d'île. Ouh, la merde, là. Ça pue, hein. Et ouais, non, en plus, il faut qu'on ragavane. Euh... Ça change les plans. Alors, pour moi, du coup, là, il faut qu'on soit euh, bante et qu'ici, il faut que tu ailles chercher euh, fontaine sacrée. Euh, Oui, c'est ça. Fontaine sacrée. Oui, parce que le, le ça, on peut le faire plus tard. Ouais, ouais. Pour moi, c'est fontaine sacrée et on gère euh, maintenant le ragavane. Euh, là. Ouais. Tout de suite, tout de suite maintenant. Ça dégage, dégage-o. Merde, non, faut le faire à son tour, putain. Pourquoi Parce que sinon, il peut dash, là. Land, fetch, dash, ragavan. Ça va. Bon, il fallait qu'il y en ait deux, mais... Euh, écoute, ça possible. va être chaman, rite, mort, passe. Ouais. Shaman rite, passe. En fait, si on mort. survit en early game, et qu'on trouve nos mana, enfin, juste si on a une partie fonctionnelle, le late game, il est tellement écrasant pour lui. Mm. Faut absolument qu'on se prémunisse de ces moments-là, quoi. Je fais pas ça fin de tour. T'as peur que de, si de lock je... c'est euh, compliqué. Après, faut que tu sois lock et que tu trouves pas un mana noir pour te délock avec euh, précepteur. Hein. Et non, mais même pas. T'as de Ritmort pour te délock. Tu peux le faire fin de tour. On me délock comment Bah, tu prends un mana noir, tu fais précepteur et du coup, t'enlèves ah oui. euh, ton lock. quoi. Ouais, ouais. C'est ok. Hein. Genre, c'est une option qui est, qui est pas si farfelue. Je crois que je serais mana efficient et que je le ferai moi fin de tour. J'accepterai. S'il y a du mana up, je le fais pas. Pourquoi Pour euh, Master Ouais. Oh bah génial Ok Bon c'est Shaman qui dégage hein. ah, moi, ah oui non mais il va te faire moins deux. Je sais pas ce qu'il fait ouais. Du coup no s'il te fait moins 2 deux... Là tu peux te lock Tu peux te lock hmm. C'est dangereux De toute façon tu vas le faire à ton tour Tu vas juste voir une carte de plus hein. Ah mais ça change Ouais vas-y vas vas-y 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 Effectivement, c'est mieux. Euh, fais d'abord euh, brainstorm. Dans tous les cas, t'as pas le choix. Euh, on va pas attendre que ça nous, nous tombe dessus. C'est le lock. Le tour d'après, tu te délocques avec Shaman, encore une fois. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je peux remettre ça, oui. Je voudrais repiocher plutôt sur du push-heure. Ouais. Et du coup, Shaman. On n'a pas de chance, hein. franchement, moi j'ai pas mal joué ouais. le deck et tout, euh, juste euh, ça s'ordonne mal, on fait death sur death. Euh, bah la game a... d'avant, on a aussi death à deux lands. Hein. On a 40% de chance de trouver un land euh, et on a notre draw du tour plus 3 cartes. Ouais. Moi j'avais beaucoup plus de lands, ça c'est un deck qui a 30 lands euh, dans ouais. la version d'Aliel razi moi j'avais un deck à, à 36 lands avec, euh, euh, avec Field of the Dead. Du coup lui, je pense que je peux l'enlever. Lui tu penses que tu peux l'enlever, tout à fait, ouais. Tout à fait, puis on va se déloc avec précepteur en cherchant oh. un land là. Là ah, tu ouais, ouais. exactement. Et là tu fais précepteur sur un terrain et on n'a plus rien quoi. Ouais. Et lui non plus. Enfin il a une liana qui tourne quoi. Sur un terrain ou sur un anti-liana Sur un terrain je crois. Sur un terrain, puisque là il a envie de faire nous euh, faire des fossés. Un terrain euh, qui fait du rouge et du noir, c'est le Xander. seul que t'as pas. Ouais, si t'as Xander. Exactement. Il est où Sans déconner. Il est, ah, il est là. Et là, on se bat contre notre deck, hein. c'est bon, dur. Ouais. Hein. Faire démonique tutor sur land, c'est tellement euh, tellement dur. C'est un, un play de duel commandeur. Ciao. Ah, ah ouais, tu, tu ah. veux garder ton anti-bête au cas où S'il a... Euh, ouais, un orquiche ou quoi. Euh. D'accord. Oups, il a de l'emmener. Ah bah deux points dans Liliana. Hein. toujours, faut éviter qu'elle monte du coup. Un point Ouais, pardon, un point dans Liliana, tu prends Yorion en main, et écoute là, on est en train de jouer une game. Hein. Ça passe. Ton beau Luxurion, Yorion, passe, let's go. Du coup, je perds ça. Ah. Now you've got my non, tu peux perdre Yorion, si tu veux. Ouais, bah, j'ai pas trop envie. Non, je mets sens engagé, et puis tant pis, on enlève autre pays. Je réfléchis. Il devra jouer avant de défausser, de toute façon. Ouais. Donc on va voir. Ok. Ok, ok. Oui, c'est ça. Tu verras la menace, euh, à quel point t'as ah, besoin je... de. J'aurais dû me choquer de 2 pour prendre Orion comme ça j'avais Sword euh, au cas où. Mais non, parce que du coup, tu perds des ou whatever. Ouais, mais s'il me fait ragavan Dash, euh, je perds des Uryon, c'est pas grave. Ragavandash ce c'est pas toujours dramatique, quoi. Il joue quand même qu'avec 3 cartes hein, depuis le début, et on est quand même dans la merde parce que notre deck... Euh... Mais nous, on pioche pas de land, donc on est en ouais. PLS, ouais. Et ouais. on est en moule, on est en moule 6. Non, du on moule, moule 5, 5 c'est pour ça. Ah mais oui... Il fait quoi, déjà, lui Je sais pas, mais ça a l'air chiant, non. Vous pouvez lancer un sort avec une de votre cimetière I'm sans payer son coup de, de mana. Ah, depuis votre cimetière, on a une chamane sur le board, hein. Ok, donc j'enlève quoi Ouais, je crois qu'il faut quand même. En fait, faut que tu ailles taper la liana, donc faut donc, que tu enlèves l'Arzil. Ouais, enlève le Dommage. Pour l'instant, il fait rien, là. Ok, vas-y, pète, pète Jarzil. Okay. Gagne une donne les pèves. Et, euh, et un point. Après, euh, la qualité du dessus de notre deck est relativement meilleure que la qualité de son dessus. Le, le seul problème, c'est qu'on se bat contre faire des de lianas, quoi. quoi. Ok, ouais, ça reste encore. C'est des bloqueurs, c'est ça qui est chiant. Là, je fetch par contre, je crois. Ouais, je fait. veux réduire les chances. Tant oui, pis, si j'ai un sens... brainstorm. Bah, de toute façon, il y a un maître archi. Donc, euh, ça a pas besoin de C'est pas bon. T'as deux verres, deux bleus. Donc là, maintenant, tu prends ce qui est le plus fonctionnel. Ça, très long. Ouais. Ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est super. Tu peux transformer ta chamane en 3-3 pour attaquer dans Liliana favorablement. Bah, il va juste chump peu. Moins 2, je le perds. Ouais, mais t'as toujours Oco qui tourne. Ah, oh, tu ferais juste Oco plus 2 Ouais. Tranquille Ok. Tranquille, tranquille. Mais, mais du coup, tu vas perdre euh, tu vas perdre aussi là ton... Il va faire moins 2, en fait. Tu vas perdre ton chamane ou whatever, quoi. Sauf que là, au moins, tu l'as mangé le 1. -1. Est-ce qu'on sait tu... mieux Je sais pas, ça se discute. Tu perds... En fait, tu... Tu échanges un marqueur loyauté contre un token 1-1, tu crois Ouais, si, c'est peut-être pas mal, vas-y. Je fais le. Je pense en je, 3, 3 Je crois, ouais. Je crois que étonnamment, c'est pas trop, trop mal. De toute façon, tu fais pas mieux. Hein. En tout cas, là, en l'état, il va pas chercher Oko. Et du coup, t'es sûr de le forcer à minus Ouais, même avec euh, ces trucs qui dashent ça devrait le faire même avec Elphonate. enfin ces trucs qui haste ouais c'est ça qui joue Elphonate, lui hein à l'ancienne à l'ancienne c'est étonnant qu'il qu n'ait pas de Tarmogoyf d'ailleurs Tarmogoyf Tar l'époque -goyf. Goyf. Tarmogoyf ouais elle est longue cette vidéo hein. ouais 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 elle est longue elle est longue mais elle est bien ah oui Après, mais... là il y a du magique hein. mais il y a moins de murailles de Chine en laisse les gens l'ont noté quand même oui oui mais ah, bah, on n'a pas, le... pas ça, le loisir on peut moins pousser mmh. les cartes Okay, super. Maintenant, dès qu'on a une ça carte, bien on va jouer. Euh... Ouais, Je crois que t'en fais un 3-3. Hein, juste parce que Brent ça nous apporte tellement de sel. Mais c'est une carte. Oui, mais parmi trois. Donc ça peut être Uro, ça peut être Omnat, ça peut être anti-bête. Ok. Tu vois ou pas Peut-être que je me trompe. Hein. ah mais je comprends. Ouais. Je crois qu'on fait ça. Ouais. Je me dis que là, on meurt à petit feu. S'il en a un autre, bah oh, tant pis. Ah bah s'il en a un autre, gros, il a gagné la partie. Je après. Oh, Par contre, là faut trouver, euh, tu vois, Minks quoi. Que okay, bon, on bah, va au moins se délocquer. Et... Et... et oui, hein. et... Ouais. ok. À un moment, on va piocher les bonnes cartes de toute façon. Ouais, ça trille le dessus. Ça trille dessus. Et comme toutes nos cartes nous font piocher, je pense que c'est pas si grave, pas si pire d'avoir transformé cet parce qu'en fait, notre recours, on n'en faisait rien d'autre là. Des oui, de... on allait faire des abonnements euh, euh, qui piochent ça. Lui, il pioche par contre de la carte. Quoi. Ouais. Lui, il pioche de la, botte de carte. la vraie carte. Ah, c'est terrible. Et il est pile ouais. mana efficient pour plus d'Iliana en plus. C'est exceptionnel. Ouais. C'est terrible. Bon, une oh, ouais. une on, la... on a perdu tout seul. On peut encore top des des trucs violents de fou. Hein. Oh. Ouais, enfin, mais le premier truc en top deck, il ne... ne serait-ce qu'un euro là, euh, la game est relancée instantanément. Euro, on peut pas le... Enfin, on peut le caster une fois, chercher ça. Ouais. Oh, euro. Non, mais tu vois une carte de plus, tu remontes un peu en PV. Ah, please. Par contre, les gars, s'il vous plaît, là ça devient un tout match. On va pas piocher que des landes et des voiles de l'été, les gars, sans déconner. Le jeu. Oh. Voile de l'été qu'on a remélangé, il y en a deux dans le deck, on repioche. Bon, bah, cette game, on la perd, on la perd, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah, ça, c'est la... la mélange du deck. Hein, Mais C'est triste parce que c'est un match-up qui est genre giga favorable. Je suis pas sûr, euh, pour avoir pas mal joué une variante de ce paquet-là, d'avoir perdu contre ces decks-là. Mm. Je, je... Euh, voile de tu vas pêcher une carte, du coup Non. Pourquoi Ah, oui, il a pas joué euh, un truc. Ok. Molten Impact, on est mort. Ok Rip, c'est la vie. On a tout donné, on a essayé. Ouais. Ah, on a vraiment enchaîné les draws dégueulasses et c'est celle là. On était en dess à deux. Ouais, ouais, les deux, ah. les deux dernières, on était en dess à deux. Rip. Mais on a gagné en dess à deux euh, la game d'avant. Ouais. Non, mais c'est pas trop de chance. C'est vrai qu'on a, enfin, on joue un, un à demi range avec des cartes extrêmement écrasantes. Mais, euh, c'est juste qu'il faut pas qu'il ait mettre archer ork. Est-ce que les 30 landes de la liste el Drazi, c'est pas trop peu? Moi, j'étais à 36 avec Field of the Dead. Justifié pour Field of the Dead, mais du coup, sans Field of the Dead, est-ce que 32, 33, c'est pas un bon ouais, nombre? On était, Je... euh, même en Death, on était souvent en dessous de 50% de chance de trouver un land. Je, Je pense que ce qui lui a fait jouer aussi peu de landes, c'est Lorian Reveal plus Brainstorm. Et euh, les 6 1. Bon exemple, ça compte pas. Hein, mais c'est vrai que moi, pour avoir. Donc, du coup, quand j'ai buildé mon deck, euh, je suis allé regarder euh, mmh. quels étaient les ratios de landes qui étaient joués en moderne à l'époque avec les dacurions 84. Ouais. Et ça tournait autour de 30 landes. Ouais. Et je me dis, mais ça me paraît fou d'en de, jouer aussi peu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il il y a 30, là, c'est ça, tout pile Normalement, ouais. Il à 31. Je trouve que 32 landes, c'est pas déconné. Ah, mais je pense qu'il a dû se baser comme moi euh, de sur les listes de modernes de l'époque. quoi Ouais. Sauf que les listes de modernes, je pense qu'il y a un truc qu a, que moi j'ai intégré, ce qui fait que j'ai quand même joué plus de landes, c'est que les listes de modernes ajoutent des spells gratuits. Plus. Ouais, bon écoute, de toute façon on a vu que le deck marchait bien, là c'est pas vraiment nous qui avons perdu entre guillemets. Ouais, ouais non, mais ça reste un deck super une cool. partie de Magic. Euh... Dès que t'affrontes des gens qui jouent des plans de jeu tu fais. En fait, t'as le meilleur deck fer du format. Ouais, et ouais. du coup, tu perds contre les decks unfair. C'est ça, ouais. parce que tu peux pas compter sur tes trous de mémoire. Ça. Euh, mais comme t'as des decks fair qui prédatent spécialement les decks unfair, c'est mmh. juste des engrenages de méta. Ouais. Yes! et bien bah écoutez, euh, fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, comme d'habitude, réseaux sociaux dans la description, avec notre chaîne Twitch, ValpL Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. magie! Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne, si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.